Mais surtout, c'est-à-dire que s'il y avait un truc qui ferait, on dirait, putain, les Françaises, elles ont une énergie, elles ont progressé en énergie, en synchro, en formation, elles manquent encore un peu de technique. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas les portées, il n'y a pas les formations, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la posture, il n'y a rien. Il n'y a pas la technique. Il n'y a rien pour vous rattraper. Ça, ça vaut 6. Vous vous rappelez l'échelle de Nack là, comment ça fait mal à la tronche? Donc, qu'il y ait des individus qui se permettent d'être ici en rétro, c'est pas possible. Ici en rétro, c'est pas possible. Le temps, on l'a pas, les filles. Et puis sur l'équipe tech, il n'y a pas de place, on n'en est pas à un niveau où il y a la place de faire les choses à peu près. Du tout. C'est-à-dire que pour atteindre votre meilleur niveau de nage actuel, qui est très loin d'un niveau vraiment clean, quoi, hein, déjà, hein, ok, de votre meilleur niveau, il faut que chacune vous soyez au taquet, au maximum de ce que vous pouvez faire. Réactif quand c'est pas aligné. Allez chercher, c'est ce qu'elle vous dit, alors c'est aller chercher, pas faire le truc. Ce matin, vous avez fait le truc, enfin, vous avez dit on fait ça, vous avez fait, mais il n'y avait pas le truc de se battre, de se pousser. Soi-même. Vous devez vous mettre en danger et clairement vous allez sortir minable de ce balai. Minable! Parce que vous serez allé chercher. Eve. Alors, est-ce qu'on peut mettre une bande comme ça là? Et c'est ça dont j'avais. Ouais. Il voilà. N'y a pas de souci. Oh, non. L'important c'est que ça aille déjà bien. D'accord? Ouais. Donc, du bazar. De la tâche. Ça va? Ça peut plus. Ouais. Je te mets ça, mais je sais plus que moi. Vas-y. Il faudra les écarter, d'accord? Oui. Pas que ce soit les deux serrés. Maintenant, il faut mettre les pinces. Hein, oui. Vous avez l'habitude, d'accord? Oui, oui. Hein? Ah bon, j'arrange ça. Tu t'es pas vu? Allez. Non. Laura. Ça en va. Vous les mélangez pas, c'est pas les mêmes tailles. Hein. Oui. D'accord? Ça me fait les miroirs. Mais sinon, ça en pète de ouf. Bah, alors, c'est une voir. Voilà.
si ça vous tirait pas trop au niveau des bretelles. Non, derrière, non, c'est bon, ça va. Ouais. 100 pièces physiques. Sachant que certaines, elles ont 3. Oui, il ben, y a bientôt des compétitions. Ah, il y a les mamans qui se plaignent. Il y a 3 points. Par 3 points à coudre. Et tout ça, c'est très très long à coudre. Et le triangle là, miroir. Bah, chaque pièce. Ah non, deux pièce. Ça, et... Là oui, il y en a beaucoup, il y en a que deux. Là, il y en a 3. Sur les Cléopâtres, c'est pareil, il y en a où il y en a 3. Sur les rouges, il y en a plus d'une trentaine. Et là, il y en a une trentaine. C'est très long. L'air de rien. Ah, et voilà. Et je les verrais vraiment comme ça, les filles. Non, mais il est magnifique. C'est super long, il est trop petit. Et on le poil, donc il est pas prêt. Je vais rajouter un peu d'élastique pour que ça soit. Le papadakis. Pas de papadakis. Oh la pauvre. Donc, ah non, moi, c'est leur style. Et, ah oui, c'est parfait. Alors, là, ça, tout ça, c'est une partie aussi que j'adore. Ça, là. Ouais, avec mon dégradé de peinture à l'aérographe, avec le double strass et les pigments noirs aussi, c'est toute une partie que j'adore. Donc c'est les comètes. Magnifique. Les comètes. Constellation. Voilà. Magnifique. Voilà. Incroyable. Il est parfait. Juste après haut. Non, non, ça fait haut dans le rétro. Elle dit qu'il faudra le collier sorti à chaque fois en rétro. Parce que moi, c'était vraiment en valeur. Que je sois hyper monté mon maillot.